Nous sommes actuellement à Rosemère, où se tient un très grand symposium. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous un artiste de grand talent, maître académicien à l'Académie internationale des beaux-arts du Québec. Ce monsieur, on l'appelle monsieur, est étonnant. Il arrive à faire des tableaux d'une qualité extraordinaire, digne des plus grands impressionnistes. Je vous présente maintenant Monsieur Palmartz, Monsieur Roland Palmartz. Roland, cela fait des années que nous connaissons, je me permets de tutoyer. Tu es maintenant actuellement au Canada pour combien de temps? Un mois et demi. Nous sommes de passage et en tournée pour un mois et demi précisément. On peut dire de toi que tu es un peintre international. Oui, on travaille vraiment beaucoup à travers le Canada, à travers l'Europe et une petite partie des États-Unis. Et tu viens chaque année ici, mais tu as vécu longtemps ici au Québec. On a vécu 28 ans au Québec et maintenant pour des raisons familiales, en fait les parents de mon épouse, on les accompagne au plus près de ce qu'on peut se permettre de vivre avec eux, plutôt que de rester ici puis voyager, comme on ne l'a fait pendant presque 28 ans. Alors pour nous, il est important de les accompagner dans une phase de leur vie qui est difficile. Et donc on a la chance en tant que peintre de pouvoir organiser sa vie. Alors peindre dans un sous-sol, dans un château, dans un grenier, bon temps, mauvais temps, on a décidé de faire le mouvement vers l'Europe pour le moment. Ce qui fait que notre fréquence et notre présence en Europe est plus importante et on est un petit peu moins pour le moment au Canada. Combien de conférences, de courtes conférences donnes-tu par année ainsi? Certainement une bonne trentaine, on va dire. Une bonne trentaine de conférences, démonstrations. Des stages, oui, on en a presque un tous les trois ou quatre jours, dans le maximum. Et dans des tournées comme ça, on est en stage non-stop, du matin au soir. Mais tu vas dans chaque pays, tu fais la même chose dans chaque pays? Oui, c'est ça. Alors, sur invitation, souvent des associations artistiques nous invitent. Alors, ça veut dire que les places sont rapidement comblées par l'association. Et comme récemment, nous avons eu dans un stage en Belgique, trois Italiennes qui sont venues, avion, hôtel, etc. Et puis, évidemment, ces personnes, elles ont été emballées et elles nous invitent prochainement à Milan pour refaire des stages. Donc, souvent, notre organisation fonctionne un petit peu comme ça. Et moi, je me déplace alors. Si j'ai bonne mémoire, tu es d'origine belge. D'origine belge, si j'ai bonne mémoire, comme toi, Louis. C'est exact. Il y a combien d'années que tu t'es plongé dans la peinture? J'ai commencé vraiment à l'âge de 7 ans, donc ce qui fait très tôt, un petit peu comme tout le monde qui aime la peinture. Sauf que chez moi, mon père était peintre, mon arrière-grand-père était peintre. Il y a toujours eu dans le coin du salon ou dans une chambre le chevalet qui était là, ouvert, avec l'une ou l'autre toile, soit en cours de préparation ou encore en conclusion. Donc parfois même, gamin, j'allais compléter l'un ou l'autre travail de mon père qui n'appréciait pas trop. Inversement, 20 ans plus tard, c'était le contraire. C'est lui qui venait parfois chipoter dans mon travail. On a eu une relation comme ça où j'ai appris plus par moi-même. Par contre, j'ai fait les beaux-arts aussi. Mais pas les beaux-arts dans la peinture, les beaux-arts, tout ce qui était architecture, d'extérieur, d'intérieur, structure, bâtiment, etc. J'ai constaté que lors de tes conférences, tu es non seulement très articulé en peinture, mais tu es très articulé par le verbe. Et ce qui améliore de beaucoup tes conférences, c'est l'humour. Tu manques pas d'humour, hein? Je ne sais pas, j'essaye de, par le côté humoristique aussi, de faire passer parfois des choses plus graves. Parce que quand on parle en peinture de la vie, de la mort, la finition, la définition, les limites, le bonheur ou le malheur, les lois de cause et effet, ça peut être parfois assez lourd, assez pénible parfois, parce qu'on peut être très précis, on évoque des situations parfois douloureuses que tout le monde vit. Et puis le traitement humoristique peut faire passer plus doucement, parce qu'on pense la peinture toujours légère ou simplement décorative ou simplement figurative, donc le sujet pour le sujet, alors qu'il peut y avoir une dynamique beaucoup plus grande, beaucoup plus philosophique qui se trame en arrière du sujet. Et le sujet finalement est
Et l'évocation finale, on donne une forme finale à une pensée. Alors la mienne est quand même figurative, mais elle naît de l'abstraction. Alors la somme des abstractions aboutit à une figuration, dans ce cas-là. Une question, je vais parler d'investissement. À l'origine, disons, pas à l'origine, disons il y a 30 ans, tu vendais combien un tableau ? Bien, c'est bien aussi parce que on en a donné à la famille. Ma famille, donc quand j'étais tout jeune, 10 ans et autres, mon premier chèque m'a été donné par Tintin, par Hergé. Oui, donc j'ai gagné le prix national Tintin. Je pense qu'à l'époque, j'ai eu un chèque de 500 francs belges qui représentait à peu près 20 dollars, on va dire. Étonnamment, 20 ans plus tard, j'ai eu mon premier chèque au Canada de mon voisin de clôture, qui regardait par-dessus la clôture ce que j'étais occupé à faire. Un soir ou un après-midi, je ne sais plus trop bien, il était occupé, j'étais occupé à peindre, il a passé la tête, il a dit « Si tu as à vendre ça ?» Je dis « Combien tu m'en offres ?» Il m'a dit « 20 pièces, ça te va ?» 20 pièces vendues. C'était ma première vente ici au Canada, c'était 15 jours après notre arrivée. Les prix ont allègrement changé depuis lors, la valeur sur le marché. Ta cote est très élevée actuellement, à ce que j'ai constaté. Je pense que c'est une bonne cote qui reste accessible. Hein, évidemment, c'est toujours de l'argent à dépenser, mais par exemple, ce que j'ai vendu il y a 28 ans à 20 dollars et à format égal maintenant, vendu à peu près 2000-2002. C'est ce que j'avais constaté, c'est assez normal. Je dis ça parce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris que le meilleur placement qu'il peut y avoir, c'est la peinture, c'est l'œuvre d'art. Je vais te conter une anecdote très courte. En 60, dans les années 60, je vendais des tableaux. J'en peignais moi-même, j'en vendais aussi. Et j'ai vendu des Riopel à 1200 dollars, des 30-40, 1200 à 1300 dollars. Alors si on regarde aujourd'hui ce qu'un peintre peut faire, et c'est ce qui va pour le moment arriver avec beaucoup de nos peintres qui sont excellents, toi surtout, les prix vont monter, c'est une question d'offre et de demande, mais... C'est ça, pour le moment on est en demande, mon agence y travaille très bien dans ce sens-là. On ne fait pas de folie, en fait, il y a la demande des collectionneurs, mais on ne monte pas les prix. C'est toujours, ils maintiennent très bien le marché, ils travaillent très bien le marché, ils travaillent très bien les collectionneurs de base qui voient les choses monter, mais de façon régulière, honnête. C'est graduel. C'est graduel, c'est ça. On ne part pas en fou. Évidemment, tous ceux qui parviennent à acheter maintenant, évidemment, c'est comme l'immobilier, c'est toujours moins cher de construire aujourd'hui que de construire demain. Évidemment, on pense toujours l'immobilier comme placement, mais comme tu le dis si bien, la peinture est exceptionnelle. Les gens mettent dans leur maison et des sommes importantes. Parfois, le terrain n'est pas fertile, leur bien est perdu. Acheter un Riopel pour 1200 et avoir 1,5 million de dollars après coup, c'est une fameuse différence. Un tableau peut faire acheter beaucoup de maisons. C'est très exact. Tu sais, je me suis quand même dévoué pendant des années à l'investissement ou placement, enfin tout ce qui traite du marché de l'art. Et je suis toujours heureux de voir un artiste de qualité qui réussit. On peut dire dans ton cas que tu as réussi à travers le monde. En tout cas, nous sommes très fiers de t'avoir avec nous en qualité de maître académicien, crois-moi. Bien, Louis, nous, je peux parler en mon nom, mais au nom de la communauté artistique aussi. Je sais que la communauté artistique te doit beaucoup aussi. Et le travail que tu as fait depuis des années, au son de la cloche, eh bien, c'est important. Il n'y a pas de hasard, mais c'est formidable tout ce que tu as fait depuis une trentaine d'années pour tout le monde, là. Merci. C'est gentil ce que tu me dis. Mais non, t'attends pas la cloche, ce n'est pas pour annoncer mon décès. C'est la félicité. Mesdames et messieurs, voilà quelque chose qui me réjouit, c'est de rencontrer ce vieil ami qui nous parle, qui nous dit ce qu'il fait, ce qu'il va faire. Et nous espérons bon qu'il va continuer comme ça et rester avec nous. Alors je lui dis au revoir et à bientôt.